Alors qu'Anne-Sophie et Elena sont les deux premières aventurières à intégrer la résidence du jury final de Koh-Lanta, le feu sacré, Télé Loisirs vous dévoile le quotidien des candidats éliminés jusqu'au vote final. La finale de Koh-Lanta, le feu sacré se profile à l'horizon. Depuis la réunification, les aventuriers encore en lice savent qu'ils font devoir redoubler d'efforts et de stratégies pour espérer monter sur les poteaux. Sous peine d'élimination directe lors des conseils animés par Denis Brognard. Et à ce jeu, Anne-Sophie a été la première à rejoindre la fameuse résidence du jury final. Suivie d'Elena la semaine dernière. Les candidates participeront donc à l'ultime vote qui désignera le ou la gagnant d'ici quelques épisodes. Alors que la diffusion de la saison du Feu Sacré continue ce mardi 2 mai sur TF1, Télé Loisirs vous dévoile le quotidien des futurs 9 éliminés dans cette résidence. Koh-Lanta, la liberté retrouvée des aventuriers éliminés comme lors des précédentes saisons de Koh-Lanta, si les aventuriers y retrouvent une certaine liberté, ils doivent cependant respecter quelques règles strictes, nous avait confié Adventure Line Productions, ils ont accès à leurs affaires personnelles qu'ils ont préparées en même temps que leur sac aventure avant le départ. Certains apportent des livres, des photos. Sinon, nous mettons à leur disposition des livres, des jeux de société, des écrans pour visionner des films seuls ou à plusieurs. Ils peuvent également faire du sport ou aller à la plage, nous précise la production. Koh-Lanta, téléphone portable interdit pour les candidats éliminés. En revanche, les téléphones sont interdits. Et pour cause, comme les aventuriers qui intègrent le jury final sont toujours dans le jeu puisqu'ils participent au conseil final et au vote qui désignera le vainqueur, ils n'ont pas accès à leur téléphone portable afin de les laisser immerger dans le jeu, nous explique-t-on. Adja et Joaquina, candidates de Koh-Lanta, les quatre terres confirmaient ces propos en 2020, on se repose, on mange, on fait des activités. Je ferai tout pour y retourner. C'était le paradis de ne pas avoir accès à notre téléphone. Pour moi, dans la résidence finale, on a vraiment été traités comme des princes. Ça m'a fait un bien fou, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Me reposer vraiment. C'était génial, nous avait confié Adja. Koh-Lanta, on ne fait que manger dans la résidence du jury final. Joaquina semblait également partager cet avis, on lit et on mange. On ne fait que se laver et manger. Mais surtout, on profite du confort que l'on n'a pas eu pendant 26 jours pour ma part. Ça occupe nos journées. J'ai surtout pris beaucoup de temps pour moi. Bref, ça vaudrait presque le coup d'être éliminé de Koh-Lanta, le feu sacré. À lire aussi J'étais au plus bas, Anne-Sophie, éliminée de Koh-Lanta se confie sur son faible état de santé.